Mi trovo a Douala, in Camerun, Africa centrale, per la decima assemblea della CEVAL. Comunità di chiese in missione che ormai dal 1971 lavorano insieme, ormai sono 35 chiese sparse per il mondo, per scambiarsi competenze, persone, formazione e modi di stare insieme, in una parola sola, comunità. Molti temi affrontati a questa assemblea, quello principale che dava il nome all'incontro, il cristiano e l'intolleranza religiosa, e poi ancora le azioni comuni, cioè tutte quelle attività che le chiese hanno fatto in questi due anni e che progettano per i due anni successivi e futuri. I festeggiamenti per i 50 anni della comunità di chiese in missione, che poi è ancora una delle novità più grandi, la nuova strategia gioventù, strategie jeunesse. Ce que nous espérons, c'est une meilleure prise d'initiative des jeunes en termes d'initiation de projets, production d'idées novatrices. C'est ce que nous espérons. C'est pourquoi nous comptons améliorer la qualité de la communication avec eux et tout le temps les inciter à produire ou à émettre des idées, des projets qui pourront porter l'ensemble de la communauté. Et déjà, les retours que nous avons même de l'ancienne application, ces retours sont assez positifs. Parce qu'avec la stratégie jeunesse, avec le pôle jeunesse qui a été vraiment redynamisé, nous avons pu avoir de nouveaux projets et les chefs d'église nous témoignent le changement que ça opère dans la vie des groupes de jeunes, mais aussi au niveau des jeunes individuellement. Les projets des deux années, au niveau de l'ensemble de la CEVAL, si on tient compte des projets jeunesse, des projets animation, effectivement les 35 églises sont impactées. Et ce qu'on peut noter aussi, c'est qu'il y a de plus en plus d'impact ou de travail en synergie avec les églises d'Europe aussi, qui sont très demandeuses, donc à la fois d'envoyer, mais aussi de projets et d'échanges. Le chrétien est, n'est-ce pas, l'intolérance religieuse. Une table ronde comme celle-ci, qui rassemblait les représentants de différentes régions de la CEVAL et aussi un invité qui est venu de la conférence des églises de toute l'Afrique, avait pour but d'essayer de voir les différentes, n'est-ce pas, expériences que dans les régions on vit les uns et les autres par rapport à notre thème de l'intolérance religieuse. Parce que l'intolérance, si elle existe, elle se manifeste de différentes manières en fonction du contexte et du lieu. Et l'une des raisons pour lesquelles c'était important d'avoir un témoignage comme ça au sein de l'AG, c'était pour montrer que quand on parle de l'intolérance religieuse, elle ne concerne pas seulement d'abord les autres. Nous voulons aussi nous concentrer sur nous-mêmes. Parce que 35 églises ou, n'est-ce pas, fédération d'églises au sein de la CEVAL, souvent aussi nous sommes intolérants les uns envers les autres. C'était prendre conscience de ça et voilà, réfléchir comment est-ce que nous pouvons combattre l'intolérance religieuse en commençant par nous-mêmes au sein de la communauté CEVAL. Les églises sont appelées maintenant à faire un travail au niveau local. Donc de retour chez eux, ces participants vont travailler au niveau local. Peut-être que les synodes des églises vont également s'approprier cette thématique du chrétien et de l'intolérance religieuse. Come in tutte le realtà, anche in quella delle chiese, l'aspetto finanziario ha avuto una crisi crescente negli ultimi anni, che si è rispecchiata anche nelle finanze della CEVAL. On est en train d'essayer de chercher effectivement des moyens d'en sortir. Le fait d'encourager les églises d'Europe à donner plus est une chose qu'on fait depuis des années et on s'est soufflé et on sait que c'est difficile, on sait que nos églises traversent des crises en Europe. Il y a vraiment une prise de conscience de certaines églises autres églises de la CEVAL, comme quoi il faut pouvoir contribuer plus. L'église de Polynésie, l'église maori de Polynésie a depuis déjà beaucoup d'années augmenté vraiment de façon conséquente sa contribution. On sent que d'autres églises africaines ont conscience qu'il faudrait qu'elles contribuent plus, mais elles ne sont pas encore au point de pouvoir dire qu'elles en sont capables. Donc aujourd'hui, on reste sur des augmentations relativement symboliques. On essaye aussi de trouver du coup des sources de financement autres. Comment est-ce qu'on peut trouver de l'argent à l'extérieur de nos églises? Mais ce n'est pas forcément toujours facile. La Chiesa Valdese, oltre a essere membro della CEVAL, è stata negli ultimi due anni e mezzo anche partner di un nuovo progetto sanitario, Solidarité Santé, sostenuto dall'8 per 1000 Valdese e valutato dalle Chiese in questa assemblea.
Durante questa assemblea generale abbiamo avuto l'occasione di poter presentare il lavoro svolto in questi due anni e mezzo di progetto. C'è stato quindi proprio un momento dedicato in cui abbiamo spiegato quella che è stata insomma la struttura originaria e anche il modo con cui il progetto si è poi trasformato sul campo a seconda dei vari bisogni e delle varie situazioni che si sono venute a creare sia all'interno delle chiese sia all'interno degli ospedali. Siamo molto soddisfatti del riscontro positivo che l'assemblea ha riservato nei confronti di questa iniziativa e che ci incoraggia in qualche modo a intraprendere un percorso di riflessione un po' più ampia sia sul piano appunto di quello che è l'indirizzo politico sia sul piano tecnico per immaginare eventualmente una progettazione futura. Il prossimo passo, che ha già una data fissa, parliamo dei primi di dicembre, sarà l'organizzazione diciamo di un ulteriore seminario, un ulteriore momento di incontro più piccolo, dedicato esclusivamente ai direttori degli ospedali coinvolti e ai responsabili delle chiese, nell'ambito del quale sarà possibile confrontarsi proprio sul punto di vista tecnico su quelli che sono i risultati raggiunti, le attività svolte ed eventualmente anche le lacune che sono emerse, le difficoltà che sono emerse, per poter avere un quadro completo di tutti i pro e di tutti i contro e appunto immaginare in che modo elaborare una progettazione futura. Pour les prochaines années, d'abord les deux ans à venir, nous savons que la prochaine assemblée générale aura lieu en Suisse, donc elle sera accueillie par les églises de la Suisse qui se préparent à cet événement. Mais ce qu'il y aura de nouveau, et ça ce sont les enjeux de l'AG de 2020, c'est qu'il y a renouvellement de législature, de mandature. Ça veut dire que les églises vont proposer de nouveaux délégués ou bien reconduire ceux qui sont là, mais il y aura un nouveau conseil. Parce que le conseil qui est là arrive en fin de mandat, donc un nouveau président ou une nouvelle présidente va être élu en 2020, donc il faut travailler à cela. Un nouveau secrétaire général sera également élu ou nommé en 2020, donc vous voyez déjà les enjeux au niveau de la législature, les enjeux au niveau des changements, puisqu'il y aura des changements, les changements au niveau des hommes, au niveau des femmes, mais aussi des changements par rapport aux orientations qui sont données, à savoir les orientations financières. Voilà surtout les défis qui nous attendent. Mais en même temps, c'est continuer ce travail de vie communautaire, de visite aux églises, de soutien au projet des églises, de l'animation théologique. Voilà un peu ce qui nous attend pour les deux ans à venir.